Good morning, je suis super contente de vous retrouver pour la fin de l'Evloot. Il reste, je viens d'y penser, une semaine à peu près. Mais bon, une semaine, on en profite encore à fond. Et désolée, j'ai une tête de fatiguée. Ce matin, j'ai rendez-vous chez le médecin avant de passer la journée au bureau pour travailler un peu. Hier, je suis rentrée, j'ai dormi, mais les vacances étaient tellement bien, tellement reposant. Et en plus, on arrive à Francfort, cette semaine, il fait super beau. Donc, trop bien. J'ai plus trop l'habitude de vlogger, mais je trouve que c'est cool de reprendre en même temps. C'est un peu un truc de mélange, mais bon. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée officielle de la sortie du livre. Sauf qu'il y a eu un problème avec mon adresse et mon livre n'est pas encore là. Donc beaucoup l'ont déjà eu, j'ai déjà eu des articles, mais moi j'ai pas le mien, ça m'attriste un peu. J'espère que je l'ai bientôt, parce que j'ai aussi envie de l'avoir dans les mains. Ça me titille. Et si vous l'avez déjà eu, ben dites-le moi. Et trop. Rendez-vous terminé, il s'avère que mon œil gauche se détériore. Il n'a jamais vraiment été bon en fait. J'ai un œil défectueux depuis la naissance. Et elle m'a dit, mais en fait, votre cerveau n'a jamais appris à faire travailler votre œil gauche. Parce qu'en fait, mon œil droit va super bien et mon œil gauche ne va pas bien. Et là, on a essayé de l'améliorer. On m'a prescrit des nouvelles lunettes pour améliorer de 20%. Que je suis à peu près à 50%, donc je serai à une bonne visibilité de 70% à peu près. Je ne lui comprends rien à chaque fois. J'ai juste que cet œil ne va pas bien et maintenant on a tout fait un tout petit peu mieux. Donc comme ça c'est fait, on commence à travailler pour le reste de la journée. Rebonjour. La journée est finie, je suis un peu fatiguée. C'est dur de reprendre quand vous avez été en vacances et que vous avez l'habitude de rien faire, on le prend très rapidement. Du coup, je viens de passer un petit moment au téléphone avec mon éditrice. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le jour de sortie du livre, comme je vous avais dit ce matin, je pense. Et tout le monde est content, moi je suis contente. On aura les premiers résultats donc la semaine prochaine. Donc je n'aurai pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, sur les premiers résultats de vente. Mais bon... Moi, c'est pas vraiment la vente qui m'intéresse, c'est vraiment votre retour, si ça vous plaît ou pas, ou enfin, de voir vous et d'organiser surtout le sort de meet-up, signature, dédicace, etc. Donc, on a parlé de ça et on a parlé de quoi encore? Oui, on a surtout parlé des villes, on a sélectionné les trois villes. Maintenant, il faut tout organiser. Je vous en donnerai plus d'infos quand je le saurai exactement. Je vais rien vous promettre tant que je ne sais pas. Et maintenant, je suis en route pour quelque chose qui est un peu moins sympa. Mais je suis en route pour aller chez Élise. Il y a eu malheureusement un décès de son côté. Et elle n'était pas trop bien cet après-midi. Elle m'a écrit. Du coup, je lui ai dit, dès que j'ai fini de bosser, je passerai la voir. Donc là, je vais aller la voir. J'ai mon petit sac avec mes affaires de sport dedans. Parce qu'on va peut-être... On avait prévu d'aller courir. Mais si elle n'a pas envie de courir, de se défouler, on va faire autre chose. Envie d'aller courir. Elle veut pas genre profiter du temps ou manger en terrasse, faire quelque chose de sympa. Déjà il fait trop chaud, je sais même pas combien de degrés il fait. On va sortir le téléphone et on va voir combien de degrés il fait parce que moi j'ai pas encore assez bu aujourd'hui, donc je pense que déjà je suis trop déshydratée pour courir, ce qui n'est pas très bien. Alors combien de degrés fait-il? Il fait actuellement 30 degrés. Impossible pour moi de courir sous cette température. Pour moi, j'ai pas assez bu, j'ai pas la force et j'aime pas transpirer autant parce que je vais transpirer comme un bœuf. J'ai absolument pas envie. Faites qu'elle dise non. Faites qu'elle dise non, en fait, on va manger la quiche dehors sur la terrasse parce qu'elle a fait quiche en plus. Un truc sympa. Il fait trop beau. Il fait vacances. J'ai pas envie de faire du sport.
Vous avez aussi vu que je suis pas du tout habillée pour courir. Genre j'ai mes petites sandales, mon petit sac, genre même pas un sac de sport, hein. Un sac de sortie. Tout pour camoufler mon... que j'ai pas envie d'aller courir. On vient d'arriver. J'espère tellement. On va sortir pour un verre quand même. C'est mieux. Ça paye comme jamais. 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 Ça paye sur le title. Dressed up like never. Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Loulou et putain. Voilà comment se motiver. Bah ça c'est du sport. Je préfère du sport comme ça, non? Je trouve ça le meilleur. On va prendre un verre entre filles. On a l'impression d'être encore en vacances, il fait beau. Il y a des bars. Il y a Maï qui danse encore sur Ça fait comme jamais. On l'a retrouvée, Lia. Avec un peu de force, mais... Ouais, bon, on l'a cherchée chez elle carrément. On s'est dit non, il faut la chercher. Sinon, elle viendra jamais. Je jure, mais pas... Jamais comme Ça fait comme jamais. Je réalise, partez, je réfléchis. Et je vous dis si j'arrive. Quand j'ai vu son message, genre, attends, on vient de chercher, j'ai dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé là-bas? Du coup, premier bar, ben, trop plein. On cherche un autre. Mais il fait super bon. Franchement, je préfère tous les soirs comme ça. Je sortirai tous les soirs. Ça paye comme jamais. Il est un peu chelou le mec, le chinois là. Regardez comme il parle, c'est tout fort. On a fini, c'est l'heure de rentrer. Il est quelle heure, tu sais? Il est tard. Il est déjà tard. L'heure de rentrer dormir. Voilà. C'était bien, hein. On a bien fait de sortir un peu. On l'a pas respecté par contre. On avait dit, dès qu'on rentre de Barcelone, on fait la pause. La pause, elle a pas duré longtemps. 24 heures. Ouais, non, 24 heures, c'est vrai. Hein. Et demain, on continue. Non, demain, on ressort. On a un after work demain. Quelle vie difficile. C'est la vie de Francois, hein. Franchement. Hein. Au moins, on peut sortir, on peut s'amuser, c'est bien. C'est clair. Faut en profiter. Et il fait super beau, donc autant en profiter parce que si ça se trouve, dans deux semaines, il fait moche. Donc, Franchement, ouais. Voilà. Venez à Francfort. Oui. Ça te fait comment d'être dans le vlog? Bah, toi, t'es à l'aise. J'irai hein. Me voir, ça va apparaître quand ça, du coup? Ça apparaît demain. Demain? Ouais. Ok, bah j'enverrai ça à tous mes amis. Et Hélène est dans les vlogs, regardez, enfin. Je suis dans la vidéo. Je vais l'envoyer à Eva. Bah, tiens, Eva, dédicace. Ta followeuse de Coco Dolls. Ah ouais, ouais? Ah oui, c'est ta pote qui regarde, ouais, elle c'est vrai. Fait, hein. Bah voilà. Bah maintenant c'est parti, tu seras tout le temps dedans. Hein. Bah ouais, ça y est. Hein. Ouais. Grande carrière pour moi. Elle fait partie de la team Coco. Ouais. Passe avant minuit. Là c'est ce de ma faute. Ça c'est ça les amis. Ouais. T'accompagnes jusqu'au bout du truc, la jusqu'à bouche la métro. Bouche de métro. Bon, je suis à la bouche de métro. Une minute d'attente, c'est plutôt un exploit parce que généralement j'ai ici un quart d'heure d'attente. C'est la ligne trop pourrie, etc. J'ai encore ça fait comme j'avais dans la tête. Maître Gibbs nous aura ambiancé toute la soirée. Et je suis trop contente. Ça fait du bien de rentrer, de retrouver notre quotidien. C'est un peu ça notre quotidien. Travailler ou décompresser avec les amis. Ça
y est, je viens d'arriver chez moi et hors de question de se poser ou de faire quoi que ce soit, je vais tout de suite monter ce vlog parce que si je fais quelque chose de un peu plus posé, je vais commencer à m'endormir. Donc, non. Je vous ai dit que j'adore les brosses à dents électriques maintenant. C'est mon nouveau petit kiff. Du coup, je vais finir le vlog ici. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain. Et bonne nuit ou bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Bye!